petite mise à jour cette semaine surprise, voilà, parce que on s'y attendait pas forcément, et euh, elle nous a pris un petit peu à contre-pied. Moi, je m'attendais à quelque chose de sympa avec Counter-Strike 2, etc., et il arrive. La date en tout cas, qui avait leak, c'était mi-juin, et notamment le 17 juin. Donc on attend avec impatience, croisant les doigts tous les jours, dès qu'il va y avoir des problèmes de serveur des bugs de connexion à du matchmaking, prions pour que Counter-Strike 2 arrive et que CSGO ben, soit éradiqué de la planète, hein, parce que ça sera une grosse mise à jour qui va migrer ses vers Source 2 et donc Counter-Strike 2, sachez-le. Et donc, non, bah là pour le coup, c'était un petit peu la clim avec euh, mise à jour des euh, capsules Champion pour euh, commémorer, féliciter et célébrer, immortaliser le sacre, le titre de champion du monde de Vitality, de ZywOo, d'Apex, euh, de Dupré, de Magisk et de Sphinx. Voilà, donc ça fait extrêmement plaisir. Est-ce que vous, euh, vous les avez euh, achetés ou pas ces capsules de commémorer un petit peu le dernier Major CSGO de l'histoire J'espère que vous avez regardé les vlogs, les amis, épisode. Épisode 1 épisode 2 qui soit absolument exceptionnel. On a travaillé très très dur dessus, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. C'est même pas n'hésitez pas, c'est aller les regarder parce que vous allez revivre des moments absolument exceptionnels. Et je voulais immortaliser un petit peu la communion de toute la francophonie qui s'est euh, rejoint dans une enceinte folle de passion et qui euh, en plus nous a vu titrer champion. C'est exceptionnel. Merci Skin Monkey de me soutenir avec cette intro. C'est une plateforme d'échange de skins pour me soutenir. Utilisez le code MALEX CSGO. Parlons désormais donc de la capsule. Euh, la voici avec les stickers commémoratifs, et il faut savoir qu'ils sont différents. Voilà, ils, 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 ont, ils ont le petit sigle champion Paris, etc. Et donc, euh, oui, c'est exceptionnel. Ils l'ont fait depuis Anvers, il me semble, donc pas très longtemps, et c'est une très bonne chose. On attend bien évidemment Counter-Strike 2. Le point négatif sur les stickers, et euh, je rejoins notre ami Richard Lewis, qui est un grand historien, un grand euh, commentateur, euh, journaliste e-sport mondial et spécialiste de. Counter-Strike, sachez-le, euh, il a fait une longue vidéo sur l'aspect un petit peu marketing des stickers de Major Paris, que c'était absolument abominable, dégueulasse et ce genre de truc. Et franchement, je le rejoins totalement parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la course, c'est la course à la popularité, c'est la course au marketing, c'est la course à faire de l'argent. Avant, on avait des stickers très banals sur euh, uh, uh, Get Right, Forest, All of, Shox, NBK, Scream, ce que vous voulez, il y avait juste écrit leur pseudo, c'était vraiment eux qui les écrivaient à la main. C'était même quelque chose d'obligatoire et d'imposé par Valve. Euh, et aujourd'hui, ils font tous appel à des graphistes, à des équipes marketing pour leur faire des dessins un petit peu stylés, pour sortir de l'ordinaire, pour que leur sticker, en tout cas, soit euh, le plus euh, anormal possible, euh, original possible, et pour que bah, ça fasse des ventes. Et donc, euh, c'est la course un petit peu à la popularité. Et je trouve ça un peu euh, pourri, parce que là, on peut voir que Dexter, bah voilà, il a marqué. Euh, je sais pas. Vous voyez très bien ce qui a marqué, mais c'est pour faire genre, il y a écrit quelque chose de, de particulier. Et je trouve, ça, euh, je trouve ça pas ouf. Voilà, pareil pour euh, ici avec euh, le sigle. Euh, qui est en plus déposé, hein. voilà, donc euh, Floppy avec le, le logo un petit peu d'Among voilà, parce que genre c'est une fraude, tu vois, il est parmi nous, c'est un imposteur, il mérite pas sa place dans le haut, haut niveau et ce genre de truc, euh, parce qu'il y a des mèmes sur lui, euh, euh, voilà, donc ça a une petite histoire, mais euh, voilà, tout le monde est vraiment à la recherche d'un de, 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 truc. Euh Enfin, moche en fait, tout, tous les stickers sont abominables, c'est ça en fait la folie. Pareil pour Kadian qui le change tout le temps en mode le big brain, etc., un petit peu la WAP et tout, c'est encore qu'il y en a, c'est ok, c'est validé, mais moi en tout cas, je rejoins le sentiment de, voilà, wow, Twist, tu vois, il est très simple et puis merci au revoir, tu vois, t'es fan de Twist, t'es fan de Twist, peu importe à quoi il ressemble. Mais euh, là, tout le monde essaye de sortir un petit peu du lot pour que ce soit un buzz monumental et que... Ça va acheter le sticker à gogo et ce genre de truc. C'est vraiment nul de ouf. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça euh, répugnant. Counter-Strike 2, mise à jour. Et Valve a changé, en tout cas, euh, les petites conditions, euh, les polices d'utilisation un petit peu de, de, de Counter-Strike. Parce que, en fait, depuis deux semaines, plus aucun, mais plus aucun. Euh, signalement n'est remonté à Valve autour du cheat et des comportements et ce genre de choses parce qu'il va y avoir un énorme changement sur euh, le VAC, euh, le Valve anti-cheat qui va devenir le VAC live, un nouvel anti-cheat donc euh, grosse bastonnade de cheaters, de tricheurs, de Counter-Strike et ça c'est pour le plus grand bien et de tout le monde. J'ai pas envie de mettre de gros espoirs et de prendre une clim monumentale euh, et d'être refroidi un petit peu dans mon élan euh, d'engouement, de, 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 de joie pour que. Euh, euh, on se prenne un gros, un gros contre-pied. Voilà, je vous le dis, mais normalement il y a pas mal de trucs qui arrivent avec Counter-Strike 2 et ça c'est une très bonne chose. On a également Ico, voilà, qui euh, est un joueur emblématique de la scène nord-américaine qui a gagné pas mal de choses sur Counter-Strike, qui a switché sur Valorant et euh, même lui en tout cas, euh, lors de lors d'un live, il commence vraiment à regrinder euh, CS à fond et il dit dans ce clip-là qu'il est à fond sur CS ces derniers temps, qu'il veut regrinder CS que l'arrivée de Counter-Strike 2 euh, le chauffe énormément et que ça l'a manqué. Voilà, Counter-Strike en tout cas lui a manqué et que c'est un meilleur jeu que Valorant. C'est pas un retournement de veste ou quoi que ce soit. Je pense que le renouveau d'avoir un Valorant en 2020, quand il sort, a fait du bien à tout. ACS, ça lui a fait du mal, mais ça lui a fait du bien. Il y a des gens qui ont pu aller voir ailleurs justement pour se rendre compte que CS était vraiment un excellent jeu, de revenir justement à son premier amour de, de toujours, Counter-Strike. D'autres qui ont dit non, 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 moi vraiment, la nouveauté sur Valorant, mais ben je préfère par rapport à CS qui est trop vieux et ce genre de truc. Mais on s'y retrouve, c'est pas une concurrence mal placée, c'est vraiment un truc de ben, se retrouver soi-même avec le jeu que tu apprécies, parce que la base d'un jeu vidéo, c'est quand même d'apprécier. Et 99,9% des gens sont des casus, sont des joueurs euh, comme vous et comme moi maintenant. Ouais, je me Considère en tout cas moi comme un casio à l'heure actuelle, euh, même si j'ai pas forcément votre niveau, euh, de, de, de prendre du plaisir, de prendre du plaisir euh, au jeu. Euh, moi en tout cas, je prends pas du plaisir sur Valorant ces derniers temps. Au début, j'adorais et maintenant j'aime de moins en moins parce que la communauté est exécrable. Je n'avais absolument pas idée d'à quel point la communauté riot, Les mecs d'Overwatch, des communautés de Call of, de je sais pas quel jeu, de, de zinzin, ils sont venus sur le jeu. C'est des enfants, c'est des enfants. Je trouve que sur CS, on est extrêmement bien éduqué. Qu'on est beaucoup plus mature et ce genre de choses, c'est dire à quel point ce jeu là, euh, en termes d'expérience de jeu, hein, parce que c'est pas le jeu en lui-même, c'est vraiment l'expérience de jeu qui ternit la réputation du jeu et le gameplay. Parce que moi je trouve que Valorant est très, est très bon, alors que CSGO je le considérais comme un jeu de zinzin toxique. Donc imaginez-vous que j'ai une expérience sociale sur Valorant euh, dû à la communauté française parce qu'il y a énormément de français hein, toutes les renquêtes je crois en français alors que, sur Val alors que sur CS on, on a beaucoup d'internationaux et on est très très peu euh, de francophones en tout cas à être euh, à, se, à se croiser faut être honnête et pour le coup c'est pire donc on attend vraiment quelque chose d'intéressant pour vous Counter-Strike 2 sort quand pour moi je vais spéculer alors il y a une date qui a leak du 17 juin etc que euh, je crois pas forcément mais ça correspond en tout cas à la période à laquelle je pense que le jeu va sortir voici le calendrier euh, de international avec euh, là les blasts qui vont commencer vitality euh, d'ailleurs voilà 7 juin etc petite calife aussi et ce genre de truc et après bon il y aura que des petits tournois tiers 2 les deux grosses échéances comme vous pouvez le voir sont euh, après à partir du euh, 13 juillet, qualification blast très importante, et les IEM colonnes, surtout le 25 juillet pour le play-in. Donc euh, là, on est début juin, ça voudra dire que dès la semaine prochaine, va y avoir un gros player break de 3 semaines, 3 semaines et demie, qui va, je pense, transitionner sur Counter-Strike 2. Et donc peut-être qu'on verra l'arrivée des premiers tournois mondiaux sur Counter-Strike 2, ou alors est-ce qu'ils vont les continuer sur CSGO et faire la transition à la fin d'année euh, pour 2024. C'est là l'interrogation que tout le monde a à l'heure actuelle, c'est quand est-ce que Counter-Strike 2 arrive C'est sûr qu'il va arriver cet été, on le sait. Je pense que ça va être dans cette période-là parce que c'est pendant le player break estival. Mais surtout, la question que je me pose et que bah, je vous pose à vous, comment vous le ressentez Est-ce qu'il va y avoir une transition CSGO vers CS2 Et donc, ça veut dire qu'on aura une première partie de l'année, les six premiers mois où on a eu que du Counter-Strike Global Offensive et les six derniers mois que du Counter-Strike 2. Ou est-ce qu'on va continuer sur CSGO et faire une transition entre guillemets euh, tous, les, tous les opérateurs, tous les organisateurs de tournois, tous les, euh, euh, tous les compétiteurs vont se donner le mot en me disant « Non, à telle date, on, on switch tout sur Counter-Strike 2 » on reste sur un pied d'égalité et tout je pense que va y avoir un truc de déloyauté dans le sens où il y a des mecs qui vont tirer leur épingle du jeu et euh, toutes les équipes qui vont pas être en tout cas dans le haut du panier qui vont être engagées sur des gros tournois vont faire la transition sur CS2 c'est tu peux pas en tout cas marketingement parlant et compétitivement parlant quand tu es dans un jeu de compétition comme ça si euh, moi en tant que 3D Max parce que 3D Max arrive sur Counter Strike et donc très certainement sur Counter Strike 2 à ah, le ben bah, je prendrais euh, les devants de dire non non c'est bon abandonner CS dès maintenant Charbonner CS2 à fond, les gars. La méta, les, 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 le, le gunplay, les, les molotovs, les smokes et tout. Mettez-vous à jour le plus vite possible. Prenez le plus d'avance possible. Parce que, par exemple, Vitality, Navi, G2, Heroic euh, euh, et tout, ils sont tous engagés dans des tournois tiers 1 internationaux. Et donc. Bah, ils peuvent pas faire la transition, ils doivent se préparer pour ces tournois-là. Ça veut dire que ça vous laisse un laps de temps de prendre de l'avance et de les terrasser. Et pour chambouler justement cette hiérarchie, en tout cas sur du court terme. C'est ce que je pense. Moi, personnellement, de ma manière de penser, je dis pas que je suis intelligent ou quoi que ce soit, c'est comme ça que je vois le, que je vois le truc. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un désavantage, je pense, pour les grosses, 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 grosses écuries, en tout cas sur le court terme, parce que la transition va se passer entre les premiers six mois de cette année et les deuxièmes six mois de cette année. Et il faut savoir où est-ce que ça va avoir lieu, cette transition, et quel tournoi parce que est-ce que les IEM Cologne voudront être parce que c'est un tournoi emblématique, c'est le tournoi le plus prestigieux de Counter-Strike avec Katowice bien entendu, c'est les deux plus gros tournois de, de, de CS, en tout cas en termes de prestige, c'est comme Wimbledon Roland Garros, c'est des tournois euh, vous vous rendez compte quoi et euh, donc qu'est-ce que je voulais dire peut-être qu'ils vont vouloir bah, marquer encore plus l'histoire avec le premier tournoi de l'histoire sur Counter-Strike 2, personnellement en tant que renard des surfaces, quelqu'un qui voudra tirer son épingle du jeu parce que c'est de la compétition, c'est de la concurrence c'est du business je pense que les équipes et les écuries vont se comporter comme ça et que l'organisateur de tournoi ESL va vouloir se comporter comme ça peut-être que j'ai tout faux et que je suis un imbécile hein, mais euh, je vous donne mon avis qu'est ce que vous en pensez euh, les amis euh, j'attends vos réponses avec énormément énormément d'impatience